Salut à tous et bienvenue sur Copo & Co pour ce second épisode consacré à la rénovation et surtout à l'extension de mon atelier de menuiserie. Alors dans le premier épisode, si vous l'avez manqué, je vous expliquais pourquoi je faisais ces travaux, pourquoi c'était important, inconfortable et tout ce qu'il allait devoir être fait au cours des prochains mois pour le rendre plus fonctionnel. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous mets le lien juste ici pour une petite séance de rattrapage. Avant de vous faire voir comment les travaux ont évolué depuis la dernière fois, je vous invite à vous abonner, de cette façon vous pourrez suivre beaucoup plus facilement les différents épisodes consacrés à cette petite série. Allez, c'est parti, je vous fais voir ce qui a été réalisé depuis la dernière fois. Je vous souhaite un très bon visionnage, pensez à liker, pensez à commenter, pensez à bricoler. À très bientôt sur Copo & Co, et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Petit spoiler. Like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Bon, alors ça a pas mal avancé côté extension, on a monté des parpaings, il en reste plus que 1 à mettre de chaque côté, après on mettra un magnifique morceau de bois et pourra poser la porte de garage basculante qui offrira une grande ouverture pour passer des machines, des meubles, peu importe. Le mur est toujours en place, évidemment, parce que tant qu'ici ce local n'est pas fermé, je ne peux pas me permettre d'ouvrir l'atelier. Parce que je vais vider la plupart des choses qu'il y a dedans, mais tout ce qui est au mur et qui ne pose pas de difficultés pour couler, les serre-joints, les meubles, etc., les French grids, tout va y rester. Donc il faut d'abord que l'ensemble soit fermé, sécurisé, avant de pouvoir casser ce mur. Je vous emmène de l'autre côté, ça a aussi pas mal évolué. Donc vous le voyez, il y a eu pas mal de changements. Le sol a subi quelques affronts. Car j'ai joué du marteau piqueur. J'ai commencé du coup par ce côté-là où il y avait anciennement mon stock de petites chutes. Du coup, dans l'idée, eh bien, ça va être d'avancer gentiment jusqu'au fond et petit à petit, eh bien, me débarrasser de tout ce qui encombre avec une emprise au sol. Donc, évidemment, tout ça, ça prend du temps, surtout que moi, j'ai un travail dans le civil, donc je fais ça le week-end, etc., en soirée. Voilà, il m'a fallu déjà quand même quelques heures pour faire ça. Donc, prochaine étape, je vais vider cette étagère. Je vais vider son contenu, le transvaser. Elle, quand ça sera vide, je vais la démonter. Je vais l'installer ailleurs pour continuer à la rendre accessible et surtout rendre accessible les fournitures qui sont dedans. L'idée, c'est de continuer à pouvoir accéder à tout ce dont j'ai besoin pour bricoler. Donc, c'est parti, démontage, ce qui va me permettre eh bien, d'avancer encore d'un bon 1,50 m sur le pétage de la dalle. Et puis au fur et à mesure, eh bien, je vais avancer gentiment. Donc après, ça sera autour de l'établi de virée et ainsi de suite. J'ai longtemps réfléchi à savoir comment faire pour accéder le plus longtemps possible à mon atelier sans avoir besoin de tout le vider d'un coup. Parce que vous vous doutez que je ne peux pas péter la dalle en 2 heures. Donc ça ne sert à rien aussi que je vide tout l'atelier d'un coup. Je vais le faire progressivement. Donc stratégiquement, je vais toujours laisser une bande de béton
devant mon My Tussle Station, mon meuble de scie anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les tiroirs, des consommables, des machines qui sont pratiques. Et ça sera plus pratique de pouvoir y accéder ici à l'atelier que si c'est dans des cartons dans un autre bâtiment. Donc pour l'instant, je vais péter tout le sol, à l'exception d'une bande qui sera devant ce meuble-là. Et quand tout le reste sera pété et qu'on sera prêt à couler, eh bien je m'attaquerai à cette bande résiduelle. C'est sûr que c'est vraiment beaucoup d'organisation, de planification, savoir où on va tout déplacer, parce que tout ça prend du temps et surtout prend de la place, d'autant plus quand on veut pouvoir continuer d'avoir accès à de la vis, à du matériel, à de la quincaillerie, peu importe. Donc voilà, on va refaire chauffer le marteau-piqueur, on va remplir les brouettes et les remorques. En passant, petite astuce, tous ces gravats-là, ça prend énormément de place. Et moi, je fais ça le week-end. Évidemment, les déchetteries, c'est fermé, surtout qu'il y a beaucoup de déchetteries maintenant où il y a des nombres limités de passages. Donc n'hésitez pas à faire des annonces en disant que vous mettez à disposition des gravats ou même que vous pouvez les livrer dans votre commune. Nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, au fur et à mesure, je remplis ma remorque et j'ai trouvé des gens très sympas à côté de chez moi qui ont justement besoin de gravats. Donc moi, je leur livre, il n'y a pas de problème, ça me prend 5 minutes en bagnole et puis surtout, ça me permet de faire ça le dimanche quand les déchetteries sont fermées. Voilà, petite astuce Copo & Co. Allez, on continue de tout péter et on avance au chantier! Je voulais vous parler un petit peu de cette dalle, de ce sol. Plusieurs d'entre vous m'avaient dit que vous étiez un peu dans la même situation, donc c'est super intéressant. Donc vous le savez, dans l'épisode initial, je vous ai expliqué que tout ça c'était une ancienne écurie, le sol était penché, il y avait un petit caniveau, etc. Et donc comment ça a été fait tout ça? Eh bien, on a de la terre évidemment très profond. Au-dessus de cette terre, il y a des cailloux qui ont été disposés, des cailloux qui viennent des champs alentours. On a principalement du calcaire, donc voilà, ce sont les pierres qui sont blanches ici. Et on a aussi beaucoup de silex, qu'on appelle nous des nez de chat. Vous voyez qu'on déforme un petit peu à bruit. D'ailleurs, quand on y va au marteau piqueur, ça fait des petites étincelles. Des fois, le silex, il est hyper dur. Donc tout ça, ça a fait la base du sol. Et pour maintenir tout ça, ils ont coulé une dalle grossière avec pas mal de cailloux à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez, mais bon, c'est assez épais. Pour autant, ça se casse bien au marteau piqueur. Et puis sur le dessus, on voit qu'il y a une couche qui a été rapportée, qui est beaucoup plus solide. Qui est beaucoup plus fine, hein, je pense aussi. Il n'y a pas du tout de gros cailloux comme on pouvait avoir en dessous. Et ça, c'est vraiment très très dur. C'est là-dessus qu'ont été faits les stries pour éviter que les bêtes ne tombent. Il y a peut-être 10 mm, 15 mm à tout casser. C'est pas du tout ferraillé, mais c'est très 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 solide. Donc je me dis, moi, avec mes 10 cm ferraillés, normalement, ça ne devrait pas bouger. Et en passant, je voulais vous faire voir, on trouve des fossiles aussi dans le remblai, donc c'est plutôt sympa, à l'image de ce merveilleux coquillage qui donne envie de manger des noix de Saint-Jacques. Donc voilà, si je trouve d'autres choses intéressantes, je ne manquerai pas de vous les faire voir. Allez, au boulot, parce qu'il y en a encore pas mal à casser.